Oh putain. Mais oh, bon. Ah, il fallait que tu la sortes celle-là. Ah oui, je sors pas même. Faut que je conduise? Tu veux pas conduire? Bah, je vais mal conduire, moi. Mais non. Ah, mais vous avez pas recommencé? Ben non. Vas-y. Oh, ben là. Ah! Excuse. Je sais pas ce qui se passe chez les Fox, mais j'ai hâte de voir la vidéo. Ouais. Ça va être sympa. Déjà, je lui ai coincé les doigts, alors. Oh bah bravo, mais t'es une tyranne. Ah oui. Et pourtant, pourtant, on va pas à Tirana. Attends, on a mélangé, là. Qu'est-ce qui mélange? Nos fils. Ah, ça. Ah, ah ça. Ah, ça nous regarde pas. C'est là, nous regarde pas. Regarde pas. Oh, comme il t'a coupé. Ici, là. Ouais. Seb, ça va? Ah. Seb, il est tombé, Seb. Mais vas-y, recoupe pas devant toi, enfoiré. T'as vu comment il m'a coupé la route? Non, mais tu vois, il se met dans la calandre du camion. Ah, putain. Oh, l'IA là-dedans, comme il est con. C'est incroyable. Service de remorquage, hein, écoute. Ah, vous vous êtes cassé la gueule? Bah, Sébastien, il est tombé. Oh non. Mais il y a une voiture, elle m'est rentrée dedans. Et maintenant elle bloque toute la route, incroyable. Oh my godness, il commence à gérer sa remorque là. Incroyable. Je fais mes réparations et je vous rejoins. Merci. Oh, allez. Ah ben, pas de soucis. Oh, 10 000 euros, ça va. Bon, du coup, par ta fameuse route, ça nous fait 770 km. Allez, oh, des poires. Bon, oh, on va prendre des poires. Des poires. Des poires. Des poires. Oh, j'en parle de... Oh, et des Scooby-Doo. Ah, et où? Mais je te l'ai dit. Des poires. Bidou-bidou. Bidou-bidou. Pardon, j'aurais pu me pousser. J'arrive. Ah, ya. Alors, la remorque, where is? Ah ouais, c'est laquelle qui vous comprenne? C'est laquelle, toi, Seb? Celle qui est à ma gauche. À ta gauche aussi, du coup. Ouais, ok. Moi, c'est là? Oui. My goodness, les rétros? Ah non, ouais, t'inquiète. Non, mais attends, il va la prendre et après on pourra la prendre. Wouah! Bon, ok, j'ai aucun mérite, je t'en veux extérieur. Ah, voilà, d'accord. Là, je me voyais mal appeler mon patron et lui dire que je me suis fait rentrer dedans par My Goodness. C'est pas comme si j'avais roulé à 96 km/h tout à l'heure. Ah, on va voir l'attelage de Miss. Ah, ça vas-y. Va. Bah, non, mais c'est vrai, c'est important l'attelage. Oui. Comme on dit, les produits laitiers, hein. C'est important. On a mis pour la vie. Tout est une histoire de laitage, quoi. Effectivement. Ah, c'est dégueulasse. Effectivement, là. Effectivement, là. Hein? Alice, tabernacle. Attends, mais c'est pas celle-là. Mais qui c'est qui nous a dit de prendre celle-là, là? Le tracteur, il est dans la remorque, là, hein, les gars. Oh là, vous êtes trop loin. Bon. Non, mais c'est pas celle-là encore, c'est l'autre en face. Oh. C'est l'autre. Mais ouais, mais on a du coup, il faut que je me pousse encore? Non, non, c'est bon. Pas. Non, c'est bon. Ouais, vas-y, je suis une pro. Il faut se mettre droit dans la remorque. Oh, ça va. Hop. Regarde, ça va bon, là. C'est alors. Wow. Alors, on dit quoi là, hein? Bravo, on dit merci. Bravo. On dit bravo. Allez, let's go, c'est parti. T'as vu, j'ai fait comme si j'avais la remorque de My Goodness, moi. Miss, tu passes ou j'y vais? J'y vais, allez. Allez, vas-y. Hop, t'as vu. Merci. Y'a pas de mal. Mais j'avance plus. Bah ouais, mais faut pas que tu freines comme ça parce que sinon. Voilà, ça commence. Doucement. Non, mais je savais qu'il fallait pas que je conduise. Mais si. Mais si, ça va le faire, t'inquiète. Ah bah ouais, t'es pas à ma place, hein. Mais c'est fini, oui. Bon courage, hein, déjà que t'as pas le droit de pratiquer. Désaccélère. Mais il avance pas. Non. Je suis à fond. Non, c'est bon. On ne critique pas les camions de la L7C Family, hein. Merci.
Bah là, c'est le choix du patron, alors. Ouais, surtout que je suis passé sur Scania là pour février. Alors. Ah, t'es passé sur Scania? Ah, ouais, 770. Oh. Ah, ça me fait plaisir. Aïe 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 aïe. Alors. Wouah! Tu vois comme moi, my goodness? Ouais, ouais, j'ai vu comme toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Wouah, il y a un camion de l'IA qui a traversé le sol, qui a pop. La voiture. Ah, ouais, ça arrive. Ouais. Le feu. Il y a... C'est des petites surprises de convoi, quoi. Ça, c'est ouf. Ouais, ouais. Oula, oula. Voilà. Moi j'ai un bus qui vient de traverser un peu ma remorque, mais sinon ça va. Wow. Et ça fait quoi comme effet? Bah c'était inattendu. D'accord. C'était pas désagréable mais inattendu. C'est toujours bête mais inattendu. C'est qui derrière moi? C'est moi, c'est Turbo. Ok. Mais roule, je sais pas. On est assez loin hein, derrière vous. Ah, on ralentit. On ralentit. Là, on est sur une voie rapide, on va se mettre à 70 alors. Ça marche. Moi, je sais qu'il y a un mot qui pourrait vraiment fâcher Fox, Emis. Non. Oh, là, non. C'est au lieu de dire chocolatine, dire pain au chocolat. Oh, alors là. Ah, ouais. Non, c'est bon. Ah, ça va. Non, parce que, bonne. Non, parce que là, il y a ma copine aussi qui est d'Agen. D'accord. Et du coup, cet été, là, on est arrivé chez sa grand-mère de bonne heure. Et j'ai dit, bah, avant d'aller chez la mamie, on va aller chercher des petites viennoiseries pour le petit déjeuner. Et j'arrive dans la boulangerie, je dis bonjour, je voudrais 4 pains au chocolat. Ouh là, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Ah ben suivant suivant où tu vas et suivant comment tu le dis, ouais. Il y en a, bon, ils te reprennent. Mais moi si tu viens, moi je te donne du pain avec du chocolat, moi je te donne pas une chocolatine. Bah c'est exactement ce que la dame m'a répondu. Et vous avez des raisintines ou pas? comme dirait Fox, franchement, et ça marche vraiment pour tout tant qu'elle est bonne. Ouais, moi je suis pas d'accord. Il est retenu que ça. Alors lui, à 10 années-lumière. Hein. Ouais, et vous êtes à des années-lumière derrière ou vous êtes là? Eh ben, on arrive. Ok. En tout cas, en parlant sérieusement, c'est vraiment un kiff de rouler avec vous. Ça fait grave plaisir. De ouf. Carrément. Je crois qu'on est en train de se faire doubler. Salut. Par Monsieur Seb. Volvo, Volvo first. Autrement, je vois un peu plus loin, il n'y a pas un espèce de petit parking un petit peu plus loin là? Attention, il y a une voiture! Ah ben, entre les deux. Eh ben voilà, allez, j'aille la voiture. Et du coup, c'est qui? C'est ta sœur qui fait le jeûne intermittent, c'est ça? Non, ta copine? Qui fait quoi? Le jeûne intermittent? Le jeu? J'ai pas compris. Attends. Bah, t'as pas dit avant qu'elle était à jeun? Ah si, oui, oh, bah, les deux Hacheng. Oh là là. Ah oui, d'accord. Peut-être tant que ça monte au cerveau. Fais monter la sauce. Tant que la sauce elle monte, on vous attaque. Et on est là. On est là. J'ai un peu mes warnings parce que je pense que ça... Ouais, c'est fou quand même. Perturbe l'IAM. Et ouais. Moi par contre, tu vois, j'ai fait une manœuvre dans une ruelle étroite tout à l'heure. J'ai mis les warnings, ça les a pas empêchés les connards à passer derrière moi. Hein. Ah bah ça. Ah bah ça. Et puis klaxonne encore, non? Non, là ça allait. Non, c'est bon. Oh là, my goodness, là, je pense que tu peux y aller. Ah non, attends, la voiture, il casse les... Ah ouais, bloc. Carrément. Vas-y, go. Et Fox, double. Hein. Enfin, Miss, du coup. Blague. Ouais. T'as de l'humour. Voilà. Si, vas-y. Et hein? Seb, tiens, c'est pour toi. Et merci, mon ami. Et Laurier. Vas-y. Entre routiers. Tu fais faire des bêtises, là. Accélère. Allez, c'est bon, on roule. C'est bon. Let's go. C'est bon, tout le monde est derrière? On est là. Bon, ouais, parfait. Oh, c'est beau, la petite rigole d'eau à droite. Oh, c'est très joli, hein. Oh, ça change de l'autre route, hein. Ah, ouais. Vous aussi, il a arrêté de pleuvoir? Ouais. Oui. Ça y est. Chouette. Bah d'ailleurs, je me demande si c'est pas la route que j'avais pris pour faire mon combo exceptionnel dans la vidéo de jeudi. Il me semble que c'est cette route-là que j'avais pris avec le combat exceptionnel en escorte. C'est bien, comme ça tu la connais par cœur. Oui. À force. T'es sûr que c'était celle-là? Il me semble, le petit village me disait quelque chose.
Ah peut-être, je me souviens, je suis pas sûr. Je sais qu'on est reparti d'Allemagne pour aller en Autriche. Tu peux rouler. Ah non, c'était peut-être pas là, Seb, t'as raison. Non, c'était non, il me semble pas que c'était celle-là, c'était... C'était peut-être plus c'est... au nord de l'Autriche. Peut-être, ouais. Mais moi, ouais, j'ai pas de souvenir que ce soit celle-là. Ouais, parce que, tu sais, le petit village, c'est au bout d'un moment, j'avais traversé pareil, avec les petits poteaux de chaque côté, là, et que ça passait... Ouais, non, non, oui. Ouais, je crois pas que... Non, je pense c'est pas celle-là. Ah, ouais, c'était plus loin. C'était pas là. Il est c'est... Oh non. Abyss, elle déteste le captain. Ah ouais, je déteste. Il est bien. Non, c'est hyper nul. Il est pété de rire, ce machin. XDB. Il a combien de chevaux? 450, non, le maximum. Ouais, ouais je crois, ouais. Ouais. Ouais, bah abusez pas alors, pourquoi vous êtes si lent? Écoute, moi je fais pas, je choisis pas, moi. Non, mais c'est pas mal, 450 chevaux, non? Oh oui, c'est correct. Bah j'en ai pas plus, hein. 460 toi. Bah voilà. Après comme on dit hein, c'est entre le siège et le volant. Écoutez-le là, le pilote. C'est Seb qui me l'a appris cette phrase. Alors Seb, on apprend des conneries. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Bah oui mais là tous les jours il m'envoie des vocaux et il me demande des trucs alors. Bon je lui demande pas des conneries mais. Non, il se débrouille bien le petit, il se débrouille. Oh, bah c'est bien, c'est bien. Bah là, je lui ai demandé si c'était normal que j'avais genre 13 heures de conduite là, mais. Alors, ouais, si t'étais au Québec, je t'aurais dit oui. Genre ? Mais. Genre là-bas. Ouais, 13 heures Québec. Canada, Québec, 13 heures. Putain, excellent. 11 heures aux États-Unis de mémoire. Oui. Ok. Ouais. Canada, ça roule quoi. Genre c'est quoi le repos journalier c'est 2 heures? Non après les repos Tu te reposes quand t'es fatigué quoi. Je connais pas les repos après je sais juste les temps de conduite à peu près. Ok. Eh par contre c'est trop beau. Ah c'est magnifique. Ah ouais c'est joli ouais. C'est magnifique. Oh, ouais. Ben Nico, je sais pas si tu connais la chaîne de Sunset Trucker. Ah, trop bien. C'est un Français qui roule au Québec, enfin Canada et États-Unis. Et si okay. T'as l'occasion de regarder quelques vidéos, il fait des putains de voyages, c'est magnifique quoi, ce qu'il fait. Bah là, le dernier, c'était à Memphis. Ouais, c'est ça. Il avait pas de rechargement, donc il est resté 3 jours à Memphis, je crois. Ah oui, avec la pyramide, là. Ouais, c'est ça, il a été se balader, il a visité la maison d'Elvis. Aussi, qui ouais. Qui est un musée et tout ça, ouais. Et j'aime bien ses vidéos. Tu sais, rapport Elvis, il a 3 fils, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas compris. Ah, il me fatigue, moi. Moi, il me fatigue. Je l'écoute plus, moi. J'en peux plus, Sunset Elvis, c'est ça? Non, oui. Sunset Trucker. Sunset Trucker, ah, faudrait que je regarde alors. Alias Loïc. C'est pas un effort là. Sortez-le. Ouais, baïonnez-le. Juliette Bayonetta. Oh. On l'embrasse, on lui fait des poutous. Des gros poutous partout. Oh, allez, c'est pas moi qui l'ai dit. Je sais pas qui c'est. Gros beauf, allez voir ta voilà, chaîne. Et mettez en commentaire. Mettez en commentaire. Ouais, Turbo Transport. C'est pas ce qu'on connaissait avant. Hein. C'est qui Juliette machin? Tu connais pas? Non. C'est quoi? Allez, faites moi rire. Mais... Putain. C'est le dernier tome de Roméo et Juliette avec sa baïonnette. Ah, c'est l'acte d'accord. Final, c'est le vrai acte final. Le vrai, ouais. Ça pour le un vrai. Acte. Oh, celle-là était belle. Celle-là était jolie. Oh, il l'a passé en soum-soum. Ah, ouais. Celle-là, elle est passée tout en douceur. Ah oui, elle a glissé. Avec une botte de beurre et ça passe. Et oui. Si jamais ça va, on est tous les quatre ensemble. Et il y a Mist. Mist, t'es où? Mist, vous êtes où? Non, ralentissez les gars, c'est trop triste. Venez, non, Fox. Eh, venez, Mist passe devant. Stop, on s'arrête, elle passe devant. Ok. Non, mais ça... Avance un peu, il y a de quoi s'arrêter, non? Ouais. Ah, il y a le péage, ouais.
Moi, j'aime pas quand je conduis devant. Si, si, vous inquiétez pas. T'inquiète pas, Miss. Là, en plus, on va prendre le péage justement pour la route qui va être intéressante. Ça commence maintenant. Ouais, la route qui est interdite si on n'a pas de mission. On vous emmerde. Non, justement, la route est interdite au commerce. Oui. C'est bon, allez-y. Allez-y, allez-y. Non, tu veux pas passer, Miss? Non, si, non, non, c'est bon. Mais stresse pas, c'est un jeu. Mais je stresse pas. Ben vas-y, passe alors. Ouais, let's go. Eh ben, je suis dans le péage, oui, j'y vais. C'est sur cette route que j'avais fait ma photo pour ton concours, Nico. Ah, excellent. Celle où j'ai perdu contre un Scania. Forcément. Bah moi, j'ai participé en Renault, j'ai perdu. Hein. Oui, c'est vrai, t'avais ton Renault orange et bleu, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça, celui du 24 heures du Mans 2022. Ouais, il était beau. Hein. Moi, mon Volvo est arrivé en finale, mais c'était sûr contre un Scania. Mais tu vois, ouais, pourquoi t'aurais fait un Scania Turbo, là, le concours? Oui. Voilà. Ben, j'ai voulu encore changer. Tu vois, j'ai voulu m'adapter à vouloir sortir de ce groupe fermé de beauf. Tu vois. Non, mais contre un Scania, c'est, tu peux pas. C'est sûr. Non, je rigole. Scania, c'est bien évidemment une belle communauté, mais ouais. Ouais, je suis sûr que j'aurais pris un Scania, ouais, j'aurais été plus loin, je pense. Ou pas. Moi, je pense que c'est... Je pense que j'aurais pris un joli long pif, ça aurait pu être pas mal. Ouais, je pense Marc, tu me diras, le long pif qui était en concours, je sais pas combien il a fait, je me rappelle plus. Je me rappelle pas... Ah, je peux pas te dire non plus, là. Surtout que tout ça, ça a été contrôlé par un huissier de justice, tout ça, je peux pas... Bien, oui. bien évidemment. Par maître... Chocolatier Lint. Je vais vite. Oui. Ben on n'arrive plus à rattraper Miss. Bah ouais, t'as vu maintenant Miss elle est devant, elle y va. Hein. Elle a. Non mais c'est pas la ralentie. Elle s'est satellisée. J'ai atteint la réserve de carburant. Non. 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 Really? En plus, je dois consommer à balle là dans la montée. Oh putain oui. Et là y a pas de station avant un moment. Bah il faut au moins que j'arrive jusqu'à la descente quoi. C'est mon doute. Et qu'est-ce que j'ai dit en début de convoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a encore du gaz dans le réservoir? Parce que pas quelqu'un pour moi en panne au cours de trajet. Bon sinon ça va pas... Ce serait dommage. Bon, Discord a encore pleuranté. Je profite de cet instant les amis pour vous saluer et vous remercier pour votre fidélité. Et j'espère vraiment que ce genre de vidéo vous plaise. Et ça change vraiment, je trouve ça trop cool les petits convois. Et je pense que ça va être un rendez-vous qui va revenir si ça vous plaît. Moi pour l'instant au niveau de mon emploi du temps ça se passe bien, je peux gérer ça. Je vais pas vous mentir que pour moi c'est fatigant puisque du coup toute la semaine ben, maintenant je bosse et je roule. Pas que, je fais beaucoup de manutention. Mais voilà toute la semaine je roule et bon après du coup sur Eurotruck c'est différent hein. Clairement c'est différent. C'est presque, enfin c'est quand même plus reposant. Mais voilà. Mais en tout cas, merci à vous d'être là. N'oubliez pas le like. J'espère que vous êtes contents de revoir Fox et Miss, du coup, pour le coup. Et de voir Turbo Transport. N'hésitez pas à aller voir, du coup, leur chaîne. Et My Godness, qui fait le plaisir d'être présent. Et Seb, bien évidemment. Voilà, ça fait trop plaisir. Malheureusement, et heureusement, je sais pas, mais les convois sont limités, donc à... Non, mais je dis des conneries. En plus, on peut être je sais plus combien dans les convois, non? On peut pas être plus de... Non, on peut pas être plus de 8, c'est je crois, en convoi. Donc voilà, ça restera évidemment un groupe fermé, un groupe restreint entre copains. Mais voilà, j'espère que le contenu vous plaît. Et puis voilà, ça régale. Alors toi, il t'arrive un truc ou t'as un pneu qui éclate, laisse tomber. Je suis avec vous dans la conversation, je vous propose que dès qu'on arrive tout en haut, si My Godness arrive tout en haut, ouais. Dès qu'on arrive tout en haut, on s'arrête tout en haut. Et comme ça, je reviens sur Discord. Et ça marche. Eh ben ça marche. Quelqu'un pour confirmer, merci, terminé. Ah, allez-y, parce que moi j'ai pas de CB. Ça fonctionne, mon Nico, c'est bon. Super, merci Seb. Putain, on dirait vraiment un pilote d'avion terminé. Les amis, faites attention à la surchauffe moteur, hein, bien évidemment, terminé. Bon, nous avec Seb, avec des 16 litres de cylindrée, on est tranquille. Ouais, nous ça va. Nous, c'est une partie de rigolade pour les Volvo. Bon, on va répondre à Nico. Nico, bien reçu, Nico, bien reçu, over. Parfait, c'est ici qu'il faut
s'arrêter, hein, bien évidemment. Hein. Allez hop là, hein, ça c'est fait, c'est cadeau. C'est pas le parking ça. On va s'arrêter là, on a loupé le parking. Ah. Marche arrière. Je vais bien coder Nico, et voilà, c'est bon. C'est bon ? Ouais, c'est bon, ça a fait Nico. Superbe. Parfait. C'est un peu bourrin, mais ça a fait, et sans toucher, impeccable. C'est juste que t'as l'impression qu'il se passe des choses un peu sonogru dans la cabine, mais c'est bon. Ah oui, t'as vu ça. Sonogru. Sonogru. Ah, parce que là, je vous le rappelle, on est en vidéo, on est sérieux, on est bien, on est... Voilà. C'est ça. Mais attendez, vous êtes en automatique, Fox et Miss, là ? Oui. Ok, putain, mais c'est fou, ça. De quoi ? Ouais, c'est qu'il a réellement un manque de puissance. Eh ouais, mais il y a 10 chevaux de moins que moi. Je comprends pas. Ah, c'est bizarre. Ouais, mais par contre, attention, parce que toi, il y a peut-être pas la même cylindrée aussi, hein. Ah, ok. Il y a d'accord. Quoi sur les nouveaux ? Ah attends, parce que je crois que leur DAF, attends, il a le MX-11 ou le MX-13 ? C'est le 11 ou le 13, je me rappelle plus. Ah, il y a un 11 litres sur celui-là ? Ouais, sur les DAF, t'as du 11 litres et du 13 litres. Mais je crois que 400, s'ils ont le 450, ça doit être du 13 litres normalement. Ah, je suis pas à jour moi, alors je te dirai des bêtises. Ah, sur le XD, j'ai un doute. Le doute m'habite quoi. Voilà, c'est ça. Attention, Miss a pas trop utilisé le ralentisseur. Hein. Ah, mais. Ouais, attention, ça freine. Ah, oui, t'as freiné trop. Ouais. Voilà. Miss, elle a plein d'infos à droite, à gauche, ouais, devant, derrière. Pour les côtés, partout. À côté de moi, j'entends. T'accélères trop, t'accélères pas, freine, nanan. Et Fox, tu lui dis à Miss hein, d'alterner entre le frein de service et le ralentisseur. Ouais, voilà. Ah, ouais. Oh, le professionnel. J'aime pas ce volant. Oh, j'aime pas le volant, carrément. Après le camion, c'est le volant. Hein c'est... Et ben voilà. Elle a pas le droit de toucher au volant, bah maintenant elle aime pas le volant. Ah, ben ouais, tu et vois. Mais pourquoi ? Ah, j'aime pas du tout. Non, mais alors là, je voudrais quand même des explications. Hein ? Tu vas en avoir, hein ? Non, mais t'es sérieux ? Ça va donner cette nuit, hein ? Vous voulez qu'on se déconnecte de Discord un moment ? Il est très bien. Ah non, il est pourri. Ah non, ça tremble de partout, c'est dur, c'est... Il était mieux l'autre. Alors dis pas ça tremble de partout, c'est dur parce que ils vont oui. Parce que sans l'image c'est quand même ouais, bizarre. Ouais ouais c'est on peut voilà. Et vous allez super vite là. Voilà. Mais moi, non mais j'ai pas le pied sur les pédales. Mais freine. Oh, mais... Putain. J'arrête pas de te le dire. Ouais je suis pas les pédales dans un sac en plastique. Oh, parce que alors. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte de sac de plastique? J'ai pas compris. J'ai dû mettre la tête dans un sac en plastique. Ah voilà. Mais regardez, elle est tout en bas déjà. Elle a terminé le convoi. Attends, je vais couper à travers champ. Chiche. C'est pas snowrunner. Non, non, on est pas dans snowrunner là, stop. Oh putain. Il est parti regarder. On a perdu Nico encore. Ah merde. Oh putain, ouais, puis alors là, ça a freiné d'un coup devant moi. Attends, dites qu'on a planté. En train de dire voilà turbo ce qui vient de t'arriver et ben c'est l'histoire de ma vie depuis tout à l'heure voilà. D'accord, ça pile et ben voilà, donc je vais prendre mes distances. J'étais à tourner à gauche pour aller faire le plein. Ouais, je vais faire le plein, il y a une station à gauche. Alors, attends. Ah, okay. Ok, on t'attend. Alors, remarque que je vais en profiter, je vais en mettre un peu aussi. Ouais bah bof. Comme ça à moins que bref ouais bon, non il reste 376 km. Ah, c'est bon, arrache le panneau. Ah bravo. Et hop là. La petite voix dans la tête. Il va nous mettre la cabane sur le chien. Oh. Cabane au fond du jardin. Et charmant petit coin. Tout entouré de cailloux. Connexion de caca. Il fait quoi lui? La cabane au fond du jardin. J'y fais caca tous les matins. Mais non, mais non. Il y a eu un accident. Tu vois, non, mais. Il y a marqué Lila Logistique. Ouais, Lila Logistique. Mais tu vois, Nico, je sais pas ce qu'il a foutu dans le virage. Le camion devant nous, il a pilé et boum. Vous vous êtes couché? T'as fait quoi dans le virage? T'as fait quoi dans le virage, Nico? Hein? T'as fait quoi dans le virage? Quoi? Miss, elle a juste fait un bisou. Allô.
Ah bon. Ah. Roger, Roger. Alors attends, parce que là on est bloqué là. Ah bah, je tue tout le monde. Mais pourquoi tu tues tout le monde? Mais parce que j'ai envie. Attendez, on fait un petit échange là. Ouais, ça marche. Ah, my goodness, t'es allé où? Je m'arrête juste. Bah, je sais pas, t'étais pas là pour les camions? Je sais pas, monsieur, on a tous tiré tout droit. Oui. Bah, tu sais, moi, je suis bête et discipliné, je suis. Hein. Non, il y a les camions là aussi où on était. Bah, je sais pas, moi, j'ai vu un peu. Je crois que les KFOX est mis, c'est bon, c'est pour les camions et on a perdu Nico. Alors, Nico, t'es où? Ouais, je repars vers l'arrière. Là, je sais pas. Mais moi, c'est incroyable que j'arrive pas à voir la cible. À droite, c'était le parking camion. Ah merde. Ah. reçu over. My goodness, à droite, c'était le parking camion. C'est en fait. J'ai entendu. Polonais et roumains pour qu'ils dorment. C'est bon, l'échange a été fait? Ouais. Oui. Les bords de la échangiste? Ouais. Oui. Okay. Ça l'a fait rire jaune, c'est genre le youtubeur ou quoi? Vas-y Nico, passe devant si tu veux. Bah, je suis là. Hein. Allez, on y va, garde. Oh lolo. Il passe. Oh. Ah, joli Nico, parfait. Oh Tesla, la Tesla. Hop, bouge pas, je vais lui coincer le passage aussi, parfait. Alors ça les Tesla, ça c'est les pires ça. C'est bon, un appel de phare quand je peux me rabattre et comme ça tu fais le vrai routier. Ouais. Vas-y, appelle. Ah, c'est là, hop. Bah là mon petit turbo, pardon. Ah bah le turbo il a failli se tromper de chemin. Mon petit turbo nounet. C'est calme d'un coup. Oh oui. Il est bientôt 23h, c'est normal. Heureusement qu'on n'est pas en live. Hein. Les streamers en carton. Oh putain, bon, grave. Après, vaut mieux ça, parce qu'il y a de la bonne humeur et tout, que des fois, ouais. Je vois des lives TikTok, les gars, et les mecs, le mec qui roule sur au truck, et je sais pas, s'il prend du plaisir, ou mais pas. Il tire la tête. Et quand il reçoit des messages, il est pas content de les lire. Ah ouais? C'est incroyable. Genre, je préfère largement voir un streamer surjouer que voir ça, quoi. Bah oui. Ouais. On est d'accord. Genre, je préfère largement voir Sir Thomas que le mec sur TikTok, quoi. Ah, il fallait que tu la sortes, celle-là. Ah oui, je sors pas de ma bite, hein. Oh putain, il nous a mis en pleine lucarne là. Une pleine lucarne, heureusement que. oui. Hein? Voilà. On n'en aura pas plus. Hein. Voilà. Les routiers sont sympas. Les routiers sont voilà. Beaux. Voilà. C'est dommage. Ah bah non, bah je suis con, je l'ai collé sur la tour, l'autocollant. Mais les routiers sont sympas, les gars. Ah bah montre ta tour pour voir. non, j'ose pas. Ouais! L'ambulancier il s'est rabattu sur ma gueule! Mais quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Et alors là, M'Kolo, il est bientôt arrivé, lui. C'est vrai, vous êtes loin? Bah oui, Mais non, vous êtes juste derrière, les gars. Turbo! Escusato! M'Kolo, c'est sa vie, lui. Merde, tiens, encore quelqu'un derrière, pardon, désolé. Non, vas-y, pas de soucis. Non, mec, en fait, comme vous avez deux fois le même camion, j'ai cru que je louchais. Bah c'est vrai que de voir deux boosts pareil, bon, au bout d'un moment tu crois halluciner quoi. Ah putain. Ah bah ouais, imagine on aurait deux Scania, t'aurais vomi. Ah bah alors là on l'aurait même, on aurait dû appeler le SAMU là. Ah vous voyez avec les Scania on n'est pas chauvin quand même, on sait. Eh non, bah oui on rigole. Eh Seb, t'es débridé? Non, je suis à 90. Putain, on n'a pas le même compteur hein, comme quoi. Oh là là, il fait quoi avec sa benne? Nico, tu penseras à freiner, il y a une barrière. Parce que là, je te vois arriver à une vitesse aberrante. Moi, j'ai un peu laissé couler là dans la descente. Je me suis un petit peu fait pipi dessus, tu vois. Ouais, j'ai vu que tu t'es fait une petite brésilienne, tranquille. Bah là, oui, un petit 105. Ah, mais faut pas que ce soit vert.
Non, faut que ce soit rouge. Ah. Drôle. Drôle. Et allez. Et allez. Oh là là, regarde. Allez, regarde. Voilà. Ça, mais c'était évident. Ça, regarde le sentier. Ah oui. Dis-moi oui. Oui. Andy. Incroyable. Et là, après, il y a le Kenworth qui va arriver, qui va prendre toute la place. C'est ça, on va disparaître en fait. On va disparoître, messire. Grâce à moi, vous avez des cheminées de la passion maintenant.